parler télévisé à agence en ligne qui sur les réseaux sociaux. Juste avant, on a remercié le Premier ministre, Dr. Ariel Henry, avec le ministre de la Justice, qui a placé confiance en nous pour mettre nous comme commissaire gouvernement dans le paquet de Port-au-Prince. Et avant tout, dans quatre missions du gouvernement gagné pour mener le pays ensemble avec tous les acteurs concernés. Et je dis en paquet de Port-au-Prince, trouver que l'est nécessaire pour prononcer sur certains problèmes que la société a traversé et qui permettre que nous lancer le travail que nous avons pour nous faire de concert avec acteurs dans l'appareil judiciaire, avec l'autre acteur qui a permettre que le pays a les connaît de jour qui meilleur. Et dans ce sens, l'intervention par nous matin, il va chuter sur trois axes. Premièrement, c'est sous question insécurité. Deuxièmement, c'est sous question détention préventive prolongée. Et en dernier lieu, c'est question présence parquet dans tout siège qu'a fait dans le tribunal. Question insécurité, nous connaissons un problème tout le monde lié. Quel que soit le monde lié à la victime, et pas une crasse possibilité au monde de sortir dans la rue ou pas qu'à victime de insécurité. Parce qu'à travers toute juridiction, nous avons une question de sécurité à commencer à prendre un essor considérable. Et dans ce sens, le parquet, lui-même, lui offre tête et lui annonce avec la police que la porte est balée tout support possible pour permettre la police, dans le cadre de travail que l'a fait, pour traquer les bandits, pour intervenir l'aide nécessaire. De façon à ce que nous essayons de réduire la question de sécurité et qui c'est un grand cancer pour la société aujourd'hui. Et nous comprenons que aujourd'hui, à chaque fois que nous avons des déplacements qui ont fait, on a posé cette question, est-ce que vous ne pas victime par rapport avec des actes bandits à poser, par rapport avec des armes qui ont circulé dans la société. Et aujourd'hui, en paquet, il a annoncé avec la police, quelle que soit la situation, li avèl et la pote tout support possible de façon à ce que pour yon traque bandi yo et si possibilité, si nécessaire, mener par devant la justice pour prononcer sous décision et sous peine que yon mérite. Et n'a prononcé aussi sous question gaz qui vend dans la rue yo. Et nous pensons que ce problème ça, de nos jours, li vin un problème pour la société. Ya. Et si n'a pris exemple, Tigouab, côté que gen possibilité, nous, côté que. Mon a brûlé, kay a brûlé, n'a annoncé jodi avec tout le monde qui a vendu gaz dans la rue. Yo. D'ici lundi prochain, quel que soit le monde nous joignent, qui a vendu gaz dans la rue, n'a bay la police l'ordre, moun sa yo prend gaz yo, s'il faut mener devant tribunal, n'a mené devant tribunal. Parce que automatiquement, nous annoncer ça, à partir de mardi si Dieu veut, n'a sorti dans la rue avec la police et permanence parquet, n'a marché. Chercher tout le monde qui a vendu gaz dans la rue pour nous demander à ce que le problème ça les suspend dans la société. Et nous avons annoncé aussi avec question médicale, avec essence, pour qu'on vende gaz. Et nous avons souhaité que le monde qui est propriétaire de gaz, pour ne pas vendre gaz dans la rue, dans le galon encore. Et nous pensons que y a un monde qui a toujours une possibilité pour un monde à acheter un galon de gaz pour mettre en génératrice. Ça nous pas écarté possibilité ça. Mais quand il s'agit on a vu avec 10 gallons, 15 gallons, 20 gallons, non on pompe, li campé li prend tout gallon ça et puis là il vend gaz là, li à travers toute la rue, la vend gaz, ça nous demande à ce que tout le monde suspend avec pratique ça parce que parquet li pas prend j'ai gardé comme ça. Et en plus, nous avons l'autre question encore, c'est question ti moun que nous joignent qui dans club yo dans nuit yo. Ça a quelques jours que nous visitons quelques clubs. Nous, les deux parents, prennent le plaisir, prennent le club avec Timoun, à la piscine avec Timoun. Côté que nous avons fumé, nous avons éclairé, nous demandons à ce que les parents, Timoun, qui est la caille, nous. Bon, le Timoun doit sortir, c'est pour nous que Timoun la caille, nous, de façon à ce que pour construire la moralité de Timoun. Côté que les parents ont bien la piscine, Timoun a circulé, beaucoup de piscine, mon a fumé, mon a bu éclairé, ça nous pas voulu que pratique ça la société. Yon parent qui ont ti moun ou voulait sortir avec elle, matin on sorti avec elle, on leur qui pas dit
On leur dit ou entrer à elle. Et ça, nous voulons mettre en face sur ça pour permettre à ce que la société allait reprendre forme, pour l'ordre social allait retourner encore, de manière à ce que la société noire allait gagner le visage que le droit bail là, genre que le détournier avant. Et nous gagnons un problème question de détention préventive prolongée. Et nous tous connaissons que le problème ça, c'est un cancer, c'est un gros problème dans la question de justice là. Les actions préventives prolongées, nous-mêmes dans le parquet, l'un des substituts, nous avons une responsabilité, nous avons coordonné une cellule dans la question des actions préventives prolongées. Et à partir du moment que nous venons au parquet, nous pensons que le problème, ça faut nous porter une solution. Même si la solution n'est pas venue de façon grandiose, mais nous devons porter une solution de façon à ce que nous réduisons la quantité de monde qui est en prison qui peut être jugé et de monde qui est en prison. Qui gagne dossier dans la cabinet de succion qui n'a pas avancé. Et je dis, à travers les cellules que nous mettons ensemble avec substituts, nous prenons le travail sur le dossier ça et pour nous porter un résultat qui plus ou moins satisfaisant de manière à ce que la société a ligué en souffle. Parce que ça fait longtemps qu'il y a pile de monde qui est en prison, qui n'a pas jugé. En pile de monde en prison, il n'y a pas attendre. En pile de monde en prison, cabinet de succion n'a pas attendre. Parquet a lui même livré porter une solution dans ce sens ça et c'est peut-être ça parquet a créé dans parquet a gagné une cellule qui a l'écoute des détenus qui a un numéro de téléphone qui c'est 31 12 55 10 qui là non cellule captande doléances par un monde qui gagne monde dans prison qui gagne dossier soit cabinet d'instruction qui gagne dossier soit qui dans correctionnel et pour nous avancer. Et dans le même cadre de travail, ça, nous pouvons faire recruter 10 jeunes dans la faculté de droit, qui apprennent dans le centre d'appel ça, et qui apprennent information, qui apprennent doléances. À partir de doléances que vous prenez, il y a transmettre avec cellules qui a l'écoute des détenus, et pour permettre par qui a lui-même de faire de suivi possible pour les gens qui sont en prison, qui sont capables, qui ont une liberté, soit peut-être yo jugé prononcé sous. Et de façon à ce que pour problème justice ça lui-même les résoudre. Et nous avons souhaité aussi dans le cadre de travail ça, dans le cadre de travail ça, il y a un ensemble de dossiers qui sont des dossiers criminels que nous pas intervenir là-dedans. Tel que dossier Netti, dossier Diego Chal, dossier Batounet d'Orval, nous pouvons aller demander et chercher qu'on est dans qui et cadre dossier ça yo, dans qui face dossier ça yo de façon à ce que pour avancer et pour société à lui-même li wè que gen on justice qui a prononcé bon justice qui a marché et bon justice qui voulait bay résultat et c'est dans ce sens ça matin nous avons rencontré avec la presse nous avons l'autre problème encore qui c'est problème et présence parquet dans siège yo nous pensons que désormais parquet a li pral dans tout siège que nous connaît qui dans tribunal là. Surtout siège qui a un rapport avec la question habeas corpus. Parquet a li, à travers cellule ça qui formé, qui pour porter solution pour aller dans la question habeas corpus, nous pensons que y a un commissaire qui est disponible pour ça. Quelle que soit l'action en habeas corpus, parquet à présent, chaque moment, ça m'a délit. Et c'est ça qui va permettre à ce que y a un dossier qui doit déclasser. Il y a des dossiers qui doivent avancer, comme ça, il y a des dossiers qui doivent classer dans le tribunal là avec parquet. Et nous avons toujours été dans le cas d'application de la loi. Parce que la loi dit que le Premier ministre, c'est un fonctionnaire et un haut cadre dans l'État. Pour aucune raison, parquet n'a pas invité dans le cadre d'un dossier que des suspicions t'a gagné contre lui-même. Puisque parquet a lui-même, automatiquement, un dossier dans le cabinet d'instruction, parquet a. Nous n'avons pas de possibilité que vous invitez le PM à venir là. C'est que le juge d'instruction peut toujours décider d'inviter le PM. Quant à nous autres, nous n'avons pas eu ce choix d'inviter le PM à se présenter au parquet. C'est que, un événement passé, avant hier soir, dans Ravine Bétade, côté en pile l'information et nous parler avec Paris, nous avons fait quoi? Il y a 14 jeunes qui ont tourné une vidéo, mais qui ont gagné un peu de joueurs pour monter. Et vidéo ça
et puis la police te vini et puis on sale fait fils ou si monsieur ça ou il y a 14 monde qui mouri jusqu'à présent n'a parlé là qui coûte mon pense au cabal dans dossier ça jusqu'à présent la police doit intervenir et intervention la police yo de fait dans cadre la loi et nous pas jamais demander à ce que la police les agit de façon arbitraire ou la al agit sans que les pas mette devant la loi si gain deux problèmes de CPJ nous gain SDPJ qui là cap renforcer question sécurité a les cas toujours faire des interventions mais seulement les gain pour devoir dresser des rapports faire des instructions faire des enquêtes et déférer le dossier automatiquement au parquet pour les suites de droits et nécessaires. Merci beaucoup.